Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga où aujourd'hui je vous propose une courte séance d'étirement pour vos matins pressés. On va venir travailler le corps depuis les pieds jusqu'au-dessus de la tête, ce qui signifie qu'on va toucher à tous les chakras, même le septième, le chakra couronne qui est spirituel. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de Hatha Yoga et je suis ravie de vous accueillir pour pratiquer avec vous cette séance. Aujourd'hui, pour cette séance, vous aurez simplement besoin de votre tapis et d'avoir un mur à proximité de vous. Donc, on va pouvoir commencer. On va commencer allongé sur le sol. Trouvez une posture allongée, bien confortable. Vous pouvez au début plier les jambes, lever le bassin, venir déposer tout le dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Ajustez le placement des omoplates, les bras le long du corps et vous viendrez allonger vos jambes. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. On retient le souffle et on expire par la bouche. Très bien. Et maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et simplement observer vos sensations dans vos pieds, vos jambes, vos cuisses. Observez vos sensations dans le bassin, le ventre, le bas du dos, la poitrine, le haut du dos. Les épaules, les bras, les mains. Observez vos sensations dans le cou, sur le visage, dans la tête. Observez si ce sont des sensations agréables ou désagréables, s'il y a des tensions quelque part. Puis vous pourrez rouvrir les yeux, plier les jambes et on va commencer cette séance avec l'harmonisation des vayus. Donc il faudra inspirer, lever les bras, lever la jambe gauche, vous pouvez la tendre complètement. Expirer, baisser les bras, lever la jambe droite. On inspire, on abaisse les jambes. On expire, on abaisse les bras. On inspire, on lève la jambe droite. On expire à gauche, on tend bien nos jambes, on inspire, on abaisse les jambes, on lève les bras. On expire, on abaisse les bras. Encore un cycle, on inspire, on lève la jambe gauche, on l'étire, on pousse le talon vers le ciel, on ramène les orteils vers nous, on expire, jambe droite. On inspire, on abaisse les jambes. On expire, on abaisse les bras. On inspire, on lève la jambe droite bien tendue, on commence l'étirement. On expire, jambe gauche. On inspire, on abaisse les jambes. Et on expire, on abaisse les bras. Tournez-vous sur le côté du corps. On va venir s'installer en Vajrasana, donc simplement vous asseoir sur vos talons. Et si ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi prendre la posture du tailleur. Mais de préférence, Vajrasana. Et on va simplement croiser les mains et venir commencer à mettre en mouvement les poignets, les réveiller, les échauffer. Dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez les mains, mettez les bras, les mains devant vous. Fermez les mains et ouvrez plusieurs fois comme ça. De plus en plus vite, veillez à la conscience de votre dos, le dos bien droit dans cette posture, les épaules loin des oreilles. Et on active l'énergie du matin dans les doigts, les mains, les bras. Et relâchez. Venez faire quelques cercles avec les épaules, en arrière. Puis en avant.
De nouveau, les mains, hauteur des épaules. Et on va venir simplement étirer vers nous chacun des doigts. Préparez les mains à recevoir l'appui du corps un petit peu plus tard dans la séance. On le fait 3 fois pour chaque main. On change de main. On ne force pas, on ne veut pas avoir de tension. Simplement, on étire en respectant notre corps. On relâche. Inspirez, expirez, tournez la tête, penchez la tête sur le côté. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Sentez l'étirement sur le côté du cou. Inspirez au centre, expirez côté. Encore une fois, on inspire au centre, on expire, on reste ici, on inspire, expire, demi-cercle en avant. On inspire, demi-cercle avant. Encore une fois, on inspire, demi-cercle. Puis on revient au centre, on lève les bras à hauteur des épaules devant nous, on saisit les coudes avec les mains, le dos est bien droit. Le bassin légèrement vers l'arrière. On inspire et on expire. On tourne le ventre puis la poitrine sur la gauche. Ici, vous n'allez pas aller très loin dans la torsion, c'est normal. On inspire au centre et on expire à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. On inspire au centre. On expire à gauche, à droite, pardon. On revient au centre. Et ça va être le moment maintenant de venir vous positionner sur le mur. Donc, je vous rejoins tout de suite. Donc voilà, votre tapis est maintenant bien positionné contre le mur. Et je vous rappelle ici que, comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, vous respectez les limites de votre corps, vous ne faites pas une posture si vous pensez qu'elle n'est pas faite pour vous. Ici, on va aller dans le chien tête en bas, les mains au mur. Donc pour le placement des mains, il faudra bien ouvrir les doigts et placer le pouce et l'index contre le mur. Donc, j'espère que vous allez bien pouvoir voir le pouce et l'index bien contre le mur. Ça, ce sera pour le positionnement des mains. Et vous allez venir étirer les bras, venir positionner les fessiers sur les talons et vous redressez. Ensuite, vous allez inspirer, faire un grand cercle avec les bras vers l'arrière. Les paumes se retrouvent face vers le ciel. On tourne les mains. Ça va venir maintenant positionner les mains contre le mur. Donc, vous devriez avoir les doigts presque collés les uns contre les autres, sauf l'index et le pouce qui sont bien ouverts. Prenez appui sur vos orteils et vous allez soulever les fessiers. Poussez dans les mains, poussez dans les bras. Éloignez les épaules des mains. Maintenez les omoplates bien plaquées sur la cage thoracique et gardez les genoux pliés dans cette posture pour commencer. Et respirez profondément, le menton bien rentré. Et si c'est possible pour vous, on va maintenir la posture et on va marcher sur place avec nos pieds. Et on va sentir l'étirement dans l'arrière, dans les mollets. Peut-être que ça craque, c'est tout à fait normal. Et maintenez le positionnement des mains et continuez à pousser dans les bras pour étirer le dos. Très bien. Revenez positionner les genoux au sol. Et pour aller en position debout, je vous propose de venir prendre appui sur vos orteils. Poussez dans vos mains à l'avant. Déroulez la colonne vertébrale. Les genoux sont pliés. Et on redresse le corps, la tête en dernier. On va venir positionner les pieds largeur des hanches. Le bassin légèrement vers l'arrière, le dos bien long, inspirez, levez les bras à l'avant, croisez les doigts, tournez les paumes de main et inspirez, levez les mains de nouveau, épaules loin des oreilles et à l'expiration, on va venir dans la demi-lune. On inspire au centre, on étire à gauche.
On inspire au centre. On expire sur le côté. On inspire au centre. On expire de l'autre côté. Revenez au centre. Inspirez. Et on expire une fois encore de ce côté. Et on va maintenir la position si c'est possible pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et étirer. Puis revenez au centre. Inspirez. Expirez. Dernière fois de l'autre côté. Et restez quelques respirations si c'est possible pour vous. On revient au centre. On va venir abaisser les bras sur les côtés. Et simplement ici, on va venir fermer les yeux et de nouveau observer nos sensations dans les pieds, les mollets, les jambes, le bassin, les muscles fessiers, le ventre, le bas du dos, le haut du dos, la poitrine, les épaules, les mains, les bras, le cou, la tête. Et observez si vous pouvez sentir circuler l'énergie maintenant qu'on a activé tous les chakras, presque tous les chakras. L'énergie qui circule peut-être depuis les pieds jusqu'au-dessus de la tête. Et maintenant, vous pourrez rouvrir les yeux, venir déposer les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Fermez les yeux, inclinez la tête. Et je vous propose aujourd'hui de venir poser une intention pour honorer et donner du sens à cette nouvelle journée que la vie nous offre en cadeau. Et si pour vous, c'est difficile de poser une intention, je vous propose alors de poser celle de vivre votre journée dans la joie et la bonne humeur. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle a répondu à votre besoin pour vos étirements du matin. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer j'aime, mettre un commentaire, la partager. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le yoga, je vous invite à me rejoindre dans mon groupe privé Yoga Santé Nature sur Facebook, dont je mettrai le lien en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.